les louloutes. Bah écoutez, je vous retrouve pour la vidéo qui va concerner le glove que j'ai eu chez Monoprix. Donc il se présente comme ça et c'est un glove qui vient démaquiller sans produit démaquillant. Donc en fait, ça va être une vidéo qui est un petit peu compliquée pour moi niveau, comment dire, confiance en soi, parce que je vais vous montrer comment je me démaquille. Donc je vais avoir une tronche de merde en gros, mais bon, du coup je vais pas mouiller l'autre hein. Je vous dirai juste dans mes top ou flop si l'un ou l'autre est mieux que l'un ou l'autre en fait hein. Je sais pas si vous m'avez bien compris, Ludivine, tu dois déjà rigoler dans ton coin. Mais bon, donc on commence tout de suite. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et puis on verra bien. Alors, déjà c'est super doux, c'est super. Ah ouais, c'est super doux. Mais alors, j'espère que du coup, avec ce système-là, je vais pas perdre tous mes cils. Mais c'est doux. Et du coup, j'ai une tête de mort. Ouais, ben, je suis moche, ouais. Madame Tartine, eh ben, tu vois que je me détartine. Enfin, ouais, ça retire quand même... ça retire quand même le maquillage, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment la tête... Mais comme j'ai coutume de vous dire, les youtubeuses... C'est tout simplement des filles comme vous, quoi. Donc, elles se démaquillent comme vous. Faut pas croire que c'est toujours tout aussi beau que dans les photos qu'on vous montre sur Instagram. La vie est belle en rose, on va dire. Parce que la vie est belle en rose, je sais pas, t'as tout vu. Toutes les youtubeuses, elles ont des photos. Alors, c'est super poudré, tout est blanc ou rose. Et t'as l'impression de vivre dans le monde des bisounours, quoi. En gros, j'ai envie de te dire. Mais non, la vie youtubeuse, c'est pas forcément que ça, quoi. C'est des filles comme vous, eh ben, j'ai envie de dire comme vous et moi, mais ouais, c'est ça, quoi. Donc, je vais aller quand même le rincer une fois pour continuer, parce que bon, voilà, quoi. Parce que pour moi, c'est pas fini, quoi. Donc, à tout de suite. Alors, je viens d'aller tester le rinçage sous l'eau. Problème, il n'y a rien qui s'en va du globe, en fait. Donc pas de rinçage, je suis désolée. Je sais pas si ça doit être un bon plan ou un mauvais plan. Mais du coup ça ne se rince pas. Il n'y a rien qui part quoi, tout le maquillage reste sur le gant. Alors je sais pas si c'est c'est super bien parce que du coup c'est pas comme un gant de toilette où tu peux retirer la saleté. Enfin je sais pas comment expliquer en fait, c'est super bizarre. Donc je sais pas si c'est un bien ou un mal. En tout cas c'est doux, moi franchement j'apprécie bien la texture. L'odeur, de toute façon il n'y a pas d'odeur mais ça pue pas non plus. Et je pense que je suis bien démaquillée en fait parce qu'il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui s'en va quoi. J'ai beau frotter, je vais regarder avec mon miroir. Ben non, plus rien. Non, non, je suis démaquillée, quoi. Je suis vraiment démaquillée, quoi. Donc, ben forcément, moi, je suis Madame Bouton, alors, tu vois, c'est... Mais honnêtement, je suis démaquillée. J'ai rien de... Il me reste rien en fait sur la peau. Même vous savez enfin, vous avez peut-être déjà entendu quand je disais que quelquefois dans les cicatrices d'acné, j'avais du mal parce que j'avais des résidus de maquillage qui restaient et pour nettoyer c'était compliqué quoi. Et donc du coup ça a l'air pas mal. Franchement, cette première impression est pas mauvaise. Et honnêtement. Je sais pas si... Le mascara, alors je sais pas si ça retire le waterproof, hein, franchement. Je vais... Mais là... Ça fait du... Ça fait un bon boulot, hein.
Ouais, c'est bien foutu. C'est bien. Alors, pour bien tester, ce qu'on va faire, bon, celui-là, il est crade, hein, forcément. Je vais essayer de repasser un démaquillant dessus avec un coton. Et là, on va pouvoir se rendre compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Isiance que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, je sais plus où je l'ai acheté celui-là, par contre. Je sais plus où je l'ai acheté, mais il est super. Moi, c'est ce que j'utilise et ça part bien. Donc, c'est biphasé, hein, maquillage waterproof. Et mon eau micellaire. Parce que, en gros, je démaquille ça avec les yeux. Les yeux avec ça, pardon. Et ensuite, le reste avec mon eau micellaire. Donc, petit coton. Je vais tester l'œil. Hein, pour voir s'il y a vraiment tout qui est parti. Voilà. Et la blague. La blague. Bon là, il y a encore un petit peu, mais c'est parce que vraiment, il n'y a qu'un petit peu. Mais voilà quoi. Alors que, je sais pas si c'est vous, c'est pareil. Mais moi, je galère toujours à retirer le restant de noir là, tu sais, qui se balade en dessous, qui fait... Mais là, blague. Tout est parti quoi. Alors, je vais essayer un autre coton. Avec mon eau micellaire. Pour voir au niveau du visage. S'il reste quelque chose. Donc là, vous aurez vu ses routines du soir, hein, plutôt. Hein. Ça va finir comme ça, je pense, d'ailleurs. Bon, il y a encore un peu, quand même, j'avoue. J'en ai retiré un peu. En tout cas, pour le mascara, ça... Enfin, les yeux, ça a très bien fonctionné. Après, c'est vrai que... Moi, j'ai tendance à appuyer comme un goré, hein, donc... Et vu la tonne, voilà. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Mais bon, franchement, ce petit truc-là, il a qu'un... Mais vous voyez la tonne de maquillage que je me mets sur la tronche? En général, pour me démaquiller, je me lave préalablement le visage à l'eau... Enfin, au gel moussant, quoi. Et ensuite, je me démaquille. Mais il me faut au moins 10 cotons. Pour les yeux, pour le reste, quand il y a la bouche... alors que là, bon ben ça c'est sale, faut que je le lave hein, bien sûr. Mais honnêtement, résultat pour les yeux, bluffant. Pour le visage, il en reste encore un peu. Mais honnêtement, c'est bluffant. Donc ben, écoutez, je vous ai fait en gros le A plus B. Ça c'est clair, vous avez vu le début, le milieu, la fin. Je vous ai montré ce que ça rendait en fait après démaquillage. Ouais, je suis plutôt conquise par cette petite chose. Après, honnêtement, je vous avoue que ça me fait 8 à 9 mois, quoi. J'en mets vraiment pas beaucoup et ça me démaquille très très bien. Honnêtement, je suis bluffée, mais si ça tient 3 mois et ça coûte 16 euros et ça vaut 4 euros, on va dire, et ça me dure 6, 8 à 9 mois. Il va y avoir un souci quelque part quand même. Faudrait que je calcule au nombre de cotons disques que j'utilise par tranche de 8 à 9 mois, combien je vais utiliser en centimes par coton, donc multiplié par le nombre. Non. Je pense que quand même, il est préférable qualité-prix. Ça. Mais bon, vu qu'en plus j'utilise deux choses, je sais pas, je saurais pas dire. Alors oui, c'est bien quoi, mais ça reste cher. Mais en même temps, c'est une nouveauté. Donc une fois que les concurrents seront mis sur le marché, je pense pas que ça va rester aussi cher et longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc bah écoutez, là j'en ai fini pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc tous les monop en ont, hein, voilà, entre donc le moins cher c'est à 12,90 je crois, donc 13 euros. Et le plus cher c'est à 16, quasi 17 euros. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!